100% forêt. L'exercice est simple. À l'aide de vos cartes et de vos boussoles, vous allez devoir retrouver les clés du bus que j'ai caché dans la forêt. L'équipe gagnante aura une double ration de goûter. Ouais. C'est parti. Bonne chance à tous. Allez, l'équipe des belettes sèches, on ne traîne pas. Les belettes sèches? Mais je croyais qu'on avait dit les loutres géométriques. Non, sûrement pas, c'est trop ridicule. Pas plus que les belettes sèches. Oui, il a raison, les belettes géométriques. Ouais, ça sonne bien. Si mes calculs de triangulation sont justes, les clés devraient se trouver à N-12 degrés de la tangente du tropique du Capricorne. C'est-à-dire... Aïe! Là. C'était presque trop simple. On peut rentrer maintenant. À nous la double ration de goûter. Le bus est plein nord. Passe-moi la boussole. C'est toi qui l'as. Non, Michel, c'est toi. Aucune importance. Pour trouver le nord, il suffit de regarder la position du soleil et le lichen sur les arbres. C'est par là. Non, j'en suis sûre. Suivez-moi. Comment tu peux être sûre? Du lichen, il y en avait des deux côtés de l'arbre. Oui, mais il ne faut pas confondre le lichen foliacé et le lichen fruticuleux. Passer pour la cinquième fois devant ce drapeau rouge ne signifie pas forcément qu'on est dans la mauvaise direction. Bien sûr que si. Je vous avais dit de prendre à gauche. Tout ça, c'est sa faute. Thénatus a fait exprès de perdre la boussole parce qu'il est amoureux de moi. Il a toujours rêvé de se perdre dans la forêt avec moi. Qu'est-ce que vous dites? Rien. Je dis que tu es amoureux de moi. Cette fille est complètement cinglée. Je dois lui enlever cette idée de la tête. Ton raisonnement est tout à fait irrationnel. Tu veux que je te dise pourquoi? Qu'est-ce qu'ils peuvent bien fabriquer? Monsieur, monsieur! Je suis allée où vous m'avez dit, monsieur. J'ai pas trouvé les clés du bus, mais il y avait ça. Ce sont les belettes sèches qui ont trouvé les clés du bus. Ça veut dire qu'on est coincé ici? Non! Pas de panique, pas de panique. On va attendre sagement vos camarades. Ils vont bien finir par arriver. Monsieur, j'ai faim. On peut pas goûter en les attendant? Je crains que cela ne soit pas possible. Le goûter est dans le bus. On est perdu. Mais oui, Michel a raison. On ne va pas se laisser abattre. On va organiser un campement. Qu'est-ce que tu fabriques? Je vais essayer de faire un feu avec ma lentille de contact. Ouais. Tu viens, Michel, on va chercher à manger. Rien ne nous dit qu'il n'est pas empoisonné. Cette étiquette bio est sûrement un piège. Il vaut mieux le remettre à sa place. On devrait plutôt le garder et le faire analyser. Il vaut mieux le remettre à sa place. Ou le faire analyser. Ou le remettre à sa place. Je ne m'appelle plus Gentive si je n'attrape pas ce goûter. Le feu n'a pas pris. On va mourir de faim et de froid. Et dans des millénaires, on ne retrouvera que nos dents. Il y a quelque chose là-bas. Qu'est-ce que... Excusez-moi, vous n'auriez pas vu un sandwich bio? Pardon, je suis d'une effroyable impolitesse. Je me présente, Betterave Mullier.
Encore un peu de verveine? Oui. Ça fait longtemps que vous vivez dans les bois? 5 ans. Avant, j'étais banquier. Oui. Ah, là, c'est Abdelradi. Il vit dans un arbre. Nous sommes plusieurs à avoir fui la ville pour venir vivre dans ce havre de paix. Banquiers, huissiers de justice, télévendeurs, nous formons une communauté secrète, très bien organisée. Bien, terminez vos tasses. Il faut que je vous emmène au tribunal voir la juge Glaise-Marie. Quoi? Hein? Vous avez mangé l'âme de Baa, notre chef vénéré. Vous avez détruit l'équilibre de la forêt. Vous devez être jugé pour votre délit. Ah! Alors comme ça, l'un d'entre vous a mangé l'âme de Baa. C'est lui! Il était bon? Baa était le chef des premiers habitants de la forêt. C'était un grand homme. Un soir de pleine lune, alors qu'il faisait sa promenade quotidienne, Baa a disparu. Nos ancêtres ont retrouvé un sandwich bio, exactement à l'emplacement où ils avaient vu Baa pour la dernière fois. Ils ont compris que leur chef s'était réincarné. On raconte qu'à chaque pleine lune, le sandwich s'adressait aux ancêtres pour leur transmettre des instructions. Vous êtes tous frères. Mais avec le temps, Baa était devenu mauvais et sournois. Ses directives étaient de plus en plus dénuées de sens. Il nous obligeait à ramasser des châtaignes et à faire des chorégraphies idiotes. Merci de nous avoir débarrassés de ce totem idiot. Allez, monsieur Jourdain! Allez, monsieur! Oh, oh! Bien, tout ça m'a ouvert l'appétit. Allons chasser pour fêter la fin du règne de Baa. Vous chassez avec une clé USB? Vous avez déjà vu un banquier chasser, ou même bricoler? Oui. C'est souvent désastreux. Nous faisons nos courses en ligne, c'est plus sûr. Et tous les premiers mercredis du mois, le fantôme de Baa sort de cette forêt pour manger les yeux des enfants. Je crois qu'il est vraiment temps de partir d'ici. Michel! Thénatus, Venia, il faut rentrer maintenant. Je peux aussi vous raconter l'histoire du macaque possédé. Oh non, pitié. Merci pour les sushis. Votre vie est formidable, monsieur Betrave. Quand je serai adulte et angoissée, je viendrai vivre avec vous. Oui? Quel chemin on doit prendre? Vous connaissez déjà le chemin. Il suffit de regarder en vous. Oui? Je crois qu'il faut prendre à droite. Regardez bien en vous. Non, plutôt à gauche. Oui, à gauche. Ne vous inquiétez surtout pas. Je vais revenir avec les autres très vite. Avec ça, je suis sûr de ne pas me perdre. J'arrive, les enfants. Ah! Oui? Au secours, aidez-moi! Jean-Dive, c'est toi? Betrave? Eh oui, Betrave est mon frère. J'ai parcouru le monde entier en essayant de le retrouver. Et tu étais là tout ce temps. J'ai toujours continué de veiller sur toi, petit frère. Rappelle-toi la fois où tu as trouvé tous ces champignons dans la forêt, alors que tes amis ne trouvaient rien. C'était toi? Eh oui, et la fois où tu as retrouvé ton chemin grâce à des cailloux que tu n'avais pas semés. Ça alors? Ne t'inquiète pas, votre secret sera bien gardé. Merci encore d'avoir mis fin au règne de Baa. Passez prendre une verveine un de ces jours. Quel homme fascinant, ce monsieur Betrave. Il va falloir t'exorciser. Oui. Qu'est-ce que tu racontes? Selon les lois de la réincarnation, en mangeant ce sandwich, tu as laissé l'esprit de Baa prendre possession de ton corps. Sandwichum volum,
Sandwichum sortum. Bah, bah, bah. Sandwichum.